La soirée des récompenses des femmes battantes qui ont impacté la société à travers leur talent et courage a eu lieu le vendredi 3 août 2024 au Centre international des conférences de Bamako, CCB. Cette cérémonie de distinction est une initiative de Innov Mali. L'objectif de cette remise de trophées à ces dames est de connaître et encourager la femme dans la contribution significative dans différents domaines. Nous voulons vraiment le changement de regard vis-à-vis de la femme. Qu'on se dise enfin que les femmes ont le pouvoir et nous pouvons occuper des postes de responsabilité. Nous nous sommes basés sur leur parcours professionnel. La présélection a été faite durant un mois. Les experts aussi ont travaillé là-dessus. Ces trophées sont un symbole de reconnaissance du travail acharné et du dévouement de ces femmes à contribuer à la constitution d'un Mali nouveau et résilié et retourné vers un avenir radieux. Ce trophée signifie le bon travail, parce que c'est du bon, il y a quelques mauvais peut-être, parce que je suis un être humain, que j'ai pu faire durant plus de 30 ans, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, que ce soit le cinéma, que ce soit le combat des droits des femmes, de l'enfant et de la famille. Je dirais que c'est quelque chose de très très grandiose. Franchement, je suis satisfaite. Mais également, je suis inquiète parce que ça va me demander encore beaucoup plus de choses. Autrefois, si j'étais à 100, cela voudrait dire que tout simplement, Tatishka, il faut être à 200. Donc du coup, sur ce coup-là, je suis inquiétée, mais bon, pas de trop. Donc, Inch'Allah, je ferai de mon mieux pour ne pas régresser. Certains invités n'ont pas manqué de saluer cette initiative de Nov Mali et exprimer leur admiration pour ces femmes. De leurs avis, leurs histoires sont inspirantes et montrent que chaque femme a le potentiel de changer le monde. À travers ce qu'on vient de faire tout de suite, la jeunesse sera à mesure de nous emboîter le pas. Parce que nous voyons que les organisatrices, les organisateurs, ils sont tous des jeunes. Donc c'est pour quand même essayer de nous suivre un peu ce qu'on fait et aller avec nous. Cette cérémonie de distinction, riche en couleurs et en émotions, a permis de mettre en lumière des parcours inspirants et de célébrer les réalisations des femmes qui contribuent au développement du pays. En honorant ces urines, Innov Mali envoie un message fort: la reconnaissance et la valorisation des femmes sont essentielles pour le progrès de la société.